looking like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism, and the rest of their generation, not even the government. On y va, on s'occupe du poisson. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est quoi exactement? Alors, c'est une dorade sébaste. Donc je l'ai déjà juste étêté. Oui. Voilà. Et là, tu vas couper ton... Et là, je... Donc, ouais, tu vas prélever ton filet. Voilà, c'est ça. Donc dans ton plat, c'est quoi l'intitulé? Enfin, c'est quoi alors, la c'est dorade, sébaste, filet de dorade sébaste qui est poêlé au beurre de micelle, avec un déglaçage à la tulbadja et les haricots linka. Les haricots qu'on a fait tout à l'heure. Et ça, c'est un poisson qui se trouve où? Ça, c'est Atlantique, ça. C'est Atlantique, voilà. Donc, je n'ai pas plus d'informations. Et tu dis donc dorade sébaste, c'est quoi la différence avec la dorade classique? Alors, déjà... Et pourquoi tu as choisi cette dorade-là plutôt que la classique? Parce que moi, la dorade classique, donc la royale, la bonne saison, c'est septembre-octobre. Et donc là, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Ou alors, s'il y en a, elle est très chère. Après, la dorade grise, c'est bien, mais il faut tomber sur un boulot où il y a déjà des gros spécimens. Et la dorade sébaste, moi, j'aime bien parce qu'elle est grasse. D'accord. C'est un poisson qui est vraiment gras. Mais d'ailleurs, tu le vois, là, ça brille comme ça. Mmh. Tu vois, là? Et ça, c'est vraiment... C'est, ouais, c'est un poisson qui est riche. Riche, voilà. Regarde là, ici, tout le gras, là, sur les... Et ça, donc ça, moi j'aime bien, ça, c'est goûteux quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que pour toi, un poisson qui est gras, c'est un poisson qui a du goût. Ouais, mais là on peut en discuter longtemps, parce qu'il y a les poissons d'élevage qui eux sont aussi très gras, mais c'est bien différent. Mais par exemple, vous prenez de la dorade d'élevage, moi je vous la déconseillerais quoi. Parce que ça, c'est des poissons qui sont vraiment gorgés de mauvais gras, on va dire. Alors ouais, là, c'est bon un gras naturel. La sébaste, ça n'existe pas en élevage. Hein, il n'y a que de la royale qui existe en élevage. Donc là, on va la désarrêter. D'accord. Et ça aussi, c'est une des philosophies que tu as, c'est-à-dire que tu préfères partir et réfléchir, analyser et bien choisir ton produit en amont que prendre un produit qui n'est pas en cohérence avec toi oui. Et donc tu ne vas pas l'utiliser. Non, enfin, non. Non. Quand tu dis bah ça si c'est pas un poisson il est pas c'est du mauvais gras ça me va pas tu partiras sur autre chose. Ouais parce que bon le poisson d'élevage j'aime pas du tout. Tu le sens tout de suite quand c'est de l'élevage et je trouve que il vaut mieux même si c'est pas dans tes moyens tu travailles pas du Saint-Pierre tu travailles du bon maquereau de ligne tu travailles des sardines. Mais tu veux dire qu'il y a des solutions alternatives. Ouais. Bon, après, faut pouvoir l'expliquer, l'adapter au client. Mais je pense que nous, en tant que restaurateur, on doit avoir une démarche et puis pouvoir expliquer que voilà, moi, j'apprécie beaucoup les poissons, mais ça reste du poisson sauvage, voilà. Mesuré. Parfois, ça m'arrive de travailler du bar, mais quand voilà, c'est la saison, quand il y en a beaucoup sur le marché. Donc là, tu portionnes. Voilà. Alors, ce qui est bon aussi, c'est toujours de bien saler le poisson en amont. Ah oui, ça, tu vas le saler là maintenant. Ouais. Puis comme ça, vous le laissez, vous pouvez le faire une heure avant, même la veille. Hein. Et vous le laissez comme ça au sel et ça raffermit bien la chair. Ah oui, il va se densifier. Ouais. Voilà. Donc là, c'est bon. On a le jambon également qui est là. Ah, tu vas déjà le couper. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est un jambon... C'est un jambon sec. Celui-là, il provient d'un producteur de jambon en Auvergne. Celui-là, je le prends en Auvergne. Donc là, l'idée, c'est de faire une espèce de terre et mer. Voilà, d'avoir effectivement un aspect jambon avec beaucoup de caractère et de goût et ça se marie bien avec le poisson. Quoi. C'est ça. Donc là, on va passer à la coloration du poisson. Mmh, on y va. Donc là, tu vas passer à la cuisson et des haricots et du poisson. C'est ça. Donc là, je fais chauffer un peu d'huile de tournesol avec du beurre de micelle. Oui. Hein? Ici, je vais commencer à mettre... Il y a une petite noisette d'huile. Je vais mettre le jambon dedans. Ah, d'accord. Tu vas déjà le... Parce que ton jambon, tu veux qu'il soit cuit. Enfin, Le côté un peu caramélisé du jambon, pas le... Tu veux le rendre un peu plus gourmand. Oui, donner un peu de coloration. Et tu vas accompagner le poisson avec une sauce. T'as prévu quand même... Oui, on va faire un déglaçage. Un déglaçage avec la tulbadja. Hein, la tulbadja, c'est la plante qu'on a été cueillir. Donc ça veut dire que ta sauce en fait, de poisson, elle va être juste réalisée avec
avec ce que tu auras dégagé du poisson. Ouais. Et tu vas remonter ça au beurre. Mmh. Ouais. Ça s'appelle un déglaçage. C'est une sauce, c'est très rapide à faire. Et ton déglaçage va te suffire à, entre guillemets, donner une tonalité, enfin ta sauce à ton plat. Ouais. Et tu vas accompagner d'autres herbes ou non, il y aura juste ça? Il y avait les basilics qu'on avait cueillis tout à l'heure. Tu les mettras à la fin. On fera un petit bouquet basilic avec toutes les variétés. Donc là, quand il y a la mousse qui arrive, c'est qu'il commence à arriver noisette. Et quand elle disparaît, c'est que la noisette, elle s'en va. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on va poser le poisson dedans et on va essayer de le maintenir mousseux. Voilà. C'est là tu où veux on... nourrir ton voilà. poisson avec le beurre. Ouais, c'est surtout que ça lui ramène, on va arriver à donner une coloration et un côté noisette. Hein, la matière sèche du beurre. Mmh. Ah, regarde, là, comment ça... Là, tu vois, si je fais rien, ça monte trop haut en température. Donc, le fait de lever, d'arroser un petit peu, ça refait redescendre ton beurre en température et tu le maintiens noisette, tu vois. Mmh. Donc là, il recommence à mousser. Et tu fais le procédé là. Tu n'agresses pas ton poisson. C'est ça. Tu le cuis sans l'agresser et tu le nourris en plus. Ton poisson, c'est excellent. C'est rigolo quand tu me dis que c'était un poisson gras mais que c'était du bon gras. Et le fait de l'avoir nourri comme ça, c'est vraiment, il est excellent. Et puis bah, l'association avec le jambon fonctionne bien. Et j'aime beaucoup ta sauce. Alors j'aimais déjà bien l'esprit, tu sais, le truc de se dire on fait une sauce toute simple, on met voilà, un petit peu d'herbe, un petit peu d'eau et on met vraiment une touche de beurre et on a une bonne sauce. Et ça fonctionne très très bien. Une petite pointe d'acidité, hein, tu sens, avec le vinaigre. Et puis, Non, c'est bon. Et en dessert, t'as prévu quoi? Les cerises, les bigarreau d'Alsace, qui sont cuites façon jubilé, avec une tuile de sésame et une glace yaourt de brebis.